Père, alors qu'il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tu as amené ta fille jusqu'au sommet, elle a fini ses études. Nous ne voulons pas que son diplôme soit une photo qu'elle va placer dans la maison pour regarder. Mais que son diplôme lui serve utilement. Seigneur Jésus, c'est toi qui engages tout le monde. Si tu as permis à ce qu'elle atteigne le niveau qu'elle a atteint, tu savais aussi que tu lui accorderais ce qu'il faut pour répondre à ce diplôme qu'elle a reçu. La profondeur appelle la profondeur de nous croyants. Laisse que Père, chaque fois qu'il va se frapper des portes, pour trouver un emploi, que tu sois celui qui va recevoir sa demande et celui qui va l'engager. Car c'est toi qui engages mieux, c'est toi qui conduis mieux, c'est toi qui accomplis mieux. Seigneur, nous nous confions en toi et nous t'abandonnons notre sœur. Nous la soumettons entre tes mains, nous te la confions et te demandons, Seigneur Jésus, que tout ce dont elle aura besoin lui soit accordé. Qu'il s'agisse du mariage, de l'emploi, de l'argent ou que sais-je encore, tu es celui qui sonne les reins du cœur. Laisse que chacune de ces requêtes lui soit exaucée. En l'accomplissant, Père, tu vas consoler de cœur des âmes qui se sont entièrement confiées à toi. Nous voulons quitter la salle. Sur les chemins de retour sont de lumière. Conduis-nous. Aplanis tout, ô Dieu, que nous puissions atteindre nos maisons sans accident, sans complications, sans aucun problème. Si tu les faisais, Père, nous te louerons et te louerons davantage. Du reste, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. C'est dans nos puissants merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons demandé et disons Amen. Amen.